Avant de commencer ce nouvel épisode de Planet Crafter, je voulais vous parler de ma hype qui revient. Le jeu étant déjà une pépite à l'heure actuelle, depuis ses premières versions, au fur et à mesure, nombreux ajouts de fous se sont greffés. Faut dire qu'actuellement j'ai l'impression d'avoir fait le tour du jeu avec Ludo. Dans le dernier épisode, vous avez pu ressentir ma lassitude. Sauf que c'est terminé avec l'annonce de la prochaine mise à jour qui sortira dans les prochaines semaines, courant septembre, qui devrait ajouter des véhicules terrestres notamment. Et puis j'ai envie de rendre notre base bien plus agréable maintenant, surtout qu'on a compris le fonctionnement des drones, qui trient automatiquement les coffres, et puis bientôt l'arrivée des animaux sur notre planète. Bref, je kiffe ce jeu. Encore bravo et merci à Miju Games de travailler sur ce projet très et toujours autant prometteur. Bon visionnage. Mon cher Ludo, j'ai plusieurs choses à te dire. Ouais. Donc j'ai un tout petit peu joué en off, ok. Un tout petit peu. Ouais. Parce quand que ça en fait, je suis curieux. Ce matin. D'accord. Parce ça, que pour ça qu'il y en a, ils sont au boulot, il y en a, ils jouent. Ah bah bravo. Oui bah maintenant toi tu vas être en vacances et moi je pars toute la semaine, donc va te faire foutre. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup j'ai un petit peu joué. C'est pas grave. Comme c'est toi qui hostes le serveur. C'est vrai, c'est dommage. Ah, cherche-moi à boire. Vite, je vais mourir de soif. Vite. Mais vite, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? T'as 20 secondes, sinon je meurs. Ok. Ok. Vite, une bouteille. T'inquiète. En fait, je devais boire avant que je déconnecte et j'ai pas eu. Tiens, bois de la binouze, c'est de la bonne bière fraîche. Ah oui. Alors. Ok, c'est bon, vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai un tout petit peu joué. Et regarde l'indice de terraformation en haut, t'as vu, c'est, on est que... Putain, j'avais pas vu. Non mais c'est pas énorme en vrai, mais on a gagné un peu t'as doublé, plus. Hein. On a doublé, ok. On était à 2,50 je crois. Voilà, et ben, donc tu vois que ça augmente un peu plus vite quand même. Ouais, donc ça... Qu'est-ce qui m'a fait? Non en vrai c'est pas énorme, mais tu vas juste comprendre pourquoi après. Sache d'abord que pendant ce temps que j'ai joué, on a débloqué deux trucs. Tu peux ouvrir le menu B. J'ouvre. Le menu B, non le menu A. Ah ouais. On a débloqué. Oh. Le... Alors j'ai vu un truc. Ben justement, alors attends. D'abord, on a débloqué l'extracteur de gaz T2, qui est super facile à faire. Il est là. Ah ouais. Et regarde la chaleur putain, ouais. Et la pression. C'est énorme. Chaleur 28, pression 20. Ah ouais, c'est énorme. Bah regarde l'extracteur de gaz à côté de base. Ah oui, il fait 8 et lui fait 28. Et la pression, il en fait pas alors que le 2 il en fait. Ok. Donc ça c'est énorme. Alors sache que j'en ai pas encore placé, j'étais quand même attendu pour ça exprès. Et puis surtout, il y a pas de zéolite et j'avais la flemme. Voilà. Et un autre truc qu'on a débloqué, et je pense que c'est ce que t'as vu, c'est la ferme à amphibiens. À amphibiens, ouais, je viens de le voir. Donc ça c'est énorme et on va juste s'amuser, d'accord? Ouais, mais là aussi ça fait masse pression et masse chaleur. Et ben j'ai même pas fait attention, mais c'est génial. C'est en, ah oui, animaux, mais ça fait tout en fait. Ah ouais, mais t'as vu la différence? Mec, l'extracteur de gaz, chaleur, il fait 28-125. Oui. La ferme, elle fait 109-360. Ah oui, non, ah oui, non mais d'accord. Mais alors, et le pire, c'est qu'on a plein d'engrais et plein de larves communes. Et, enfin, alors là, on est. Ouah, les animaux, 515 par seconde, végétaux. Ah ouais, ouais. En fait, ça fait tout la ferme. Bon, bah, mec, donc tu sais. Chaleur, ce pression, végétaux, animaux. Ah, mais okay, là, on est super Gucci. Et alors, attends. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, vas-y, je vais te montrer dans l'ordre. Regarde à travers la fenêtre ici. Oh, damn! Voilà, donc en gros je vais t'expliquer mon plan parce que ça m'a saoulé, il y a un truc qui m'a saoulé dans notre base. Viens voir. Regarde ici. Mais non. Ah ouais, mais t'as pas le temps en fait. Voilà, donc en fait je t'explique, j'en avais ras le cul de tout ce bazar. Ouais, et c'est vrai, t'as qui... raison. En fait l'idée était bonne, mais... En t'as fait place nette. Mais ouais, mais parce qu'en fait l'idée était bonne, mais le problème c'est que la base est je trouve petite oui. Et rallongée. Oui, t'as complètement raison. On a tous entré au milieu, quoi. C'est ça. C'est donc que... du coup, maintenant, en ayant fait ça, on va pouvoir plus s'étendre, faire une plus grande base avec plus de pièces l'un à côté de l'autre. C'est clair. Ensuite, donc du coup, j'ai tout rassemblé là-bas. J'ai tout compris là, l'optimisateur de machine, parce que c'était toi qui gérais ça à chaque fois. Mais du coup, bah, j'ai tout capté, tu vois. Donc j'ai tout fait ça. Bah, bien. C'est 8 par machine, quoi. C'est simple. Bah, c'est ça. Et là-haut, donc j'ai rajouté 2 gros chauffages en plus, enfin même 3. Non, 3, oui, il n'y en avait que 1. C'est ça, pareil avec optimisateur de machine. Ah, t'as fait les trucs propres et tout, genre t'as fait reposer au sol en oui. Mode CRP. Ah, ouais. T'as vu Pourquoi ça c'est bleu C'est l'osmium. Ah, ok, on est full. Ah, oui, derrière il y a les petits, ok, j'avais pas vu. J'ai quand même mis les petits derrière, les bien sûr. Les petits sont où? T'as raison. Ok. Donc, ça c'est fait. Et j'ai ajouté. Je suis au niveau des trucs des drones. T'es où? Ok, j'arrive.
Donc j'ai ajouté, parce que maintenant, comme tu m'as bien expliqué, n'est-ce pas, bah, j'ai ajouté plus de drones. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est bien mieux. Ah ouais, ouais, non, mais c'est bien, ouais, c'est cool. J'ai mis ici des moteurs de fusée pour pouvoir faire les prochains drones. Les drones T2, ouais, notamment. Ah oui, j'ai pas pensé au T2, mais voilà. Il y aura des T2, ouais, il y aura des T2. Je sais pas quand, mais. Et du coup, j'ai automatisé parce que j'ai compris comment ça marche. Donc l'aluminium, c'est déjà en cours. Ouais. J'ai automatisé. Ah, j'en ai vu un qui part là-bas, ouais. Eh ben voilà, l'osmium. L'osmium, ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ah, de toute façon, le but c'est qu'il y ait 5 ou 6 drones par extracteur de minerai, tu vois. Voilà. Genre iridium, soufre, osmium, tous les minerais, il y aura des drones. J'ai ajouté une échelle là. Où c'est que t'es? Ah oui, là pour aller dans le bureau. Parce que j'en avais trop marre. Pourquoi on l'avait pas fait avant? Bah, je sais pas. Vraiment... Oh là là. On est bête. Oh, j'ai pas vu ça. Moi non plus. Y'a des lapins. Mammifères. Non, mais regarde. Mammifère. Eh ben on va y arriver. C'est ça les Pokémon que je te parlais. Ah c'est ça ouais. Ah c'est excellent. Ah, trop bien. Mais du coup là on a des grenouilles qui vont spawn sur la planète. Bah surtout maintenant qu'on a la ferme amphibien qu'on va pouvoir faire. Alors je t'explique. On va faire. À la base moi du coup ce que je pensais ouais, là de ce qu'on allait faire ce soir. Ouais. C'était que en gros toi tu automatises les coffres. Ouais. Globalement hein, en termes de tâches principales. Que tu automatises les coffres parce que t'es calé là-dedans et que t'as des tu connais mieux et que moi j'agrandis la base. Ouais, tu fous de ma gueule. Ouais. Non, vas-y. Et... vas-y ouais. Mais en fait, ouais, d'abord, okay. Je te propose qu'on fasse direct les fermes amphibiens, en fait. Bah ouais, parce que pour que ça produise et pour que ça. Ouais, carrément. Vas-y, bah je vais chercher ce qu'il faut là-bas. Parce que t'as vu quand on traverse la base et tout, c'est long, c'est chiant, donc on va être beaucoup mieux maintenant après là. Ça manque de lumière aussi dans la base. Dès qu'il fait nuit, il fait tout sombre. Ouais, mais grave, mais justement, on va pouvoir faire des trucs beaucoup plus quali, quoi. Ok, alors. Ah, faut aussi qu'on fasse le récupérateur de vie aquatique qu'on a débloqué. J'y ai pensé, ouais. Hier, pour que ça nous ramasse des œufs de poisson et tout ça. Ah, c'est ça. Très bah bien. Bah ouais. Ok, bah écoute. Encore météorite, putain, ça arrête plus. On a vraiment niqué l'espace. Hein. C'est ça. On les met où toutes les 20 secondes. On les met où Bah écoute, à l'extérieur, hein. C'est des fermes, faut que ça soit à l'extérieur. Hein. Ouais, mais attends, parce que le problème, c'est que je sais pas encore comment on va s'étendre, en vrai. Ouais. Bah c'est surtout là qu'il y a de la vie là, j'ai l'impression. Ah merde, il y a aussi les végétules là, je les avais pas vus. Ah putain, ouais. Après, c'est grand comment une ferme? Eh ben écoute, on va déjà faire un test. Ah bon, regarde. Je sais pas si c'est à la place. Ah, on peut pas. Si c'est tout petit, on peut. Ah non, faut les mettre directement au sol. Ah, je crois. Ah si, si, si. Ah si. Attends, t'es où? Je t'ai perdu là. Ah bah, je suis à l'entrée du coup. Ah, t'es là. Pas le bah choix. Ici en vrai c'est sympa ici. Eh ben t'as bien raison, donc regarde, ça ressemble à ça. Y a déjà des... Ah oui, mais c'est tout petit. Et dedans là, tu mets les œufs de grenouilles. Attends, je vais chercher, on en a. Vas-y, plein. Vas-y. Incroyable. Ok. Bah on en a plus, ils sont où? Tu rigoles? Ah mais non, ils sont dans l'incubateur. Ah bah vas-y, récupère. Mais ça sert à rien, on les a foutus là-dedans mais ça sert à rien. Bah du coup on savait pas mais... Oh, on a débloqué des nouveaux poissons. On a trois sortes de poissons maintenant, faudra en faire. D'accord. Voilà. Bon, on peut arrêter de se faire bombarder là ou... Mais mec, on a envoyé beaucoup trop de fusées dans l'espace à mon avis. On a piqué tout le système de météorites. On est foutu. Alors, hop. Ok. Hop, j'en ai que trois pour l'instant. Ah ok. Et hop. Oh. 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 Oh, il y en a partout. Il se promène partout. Oh mais, d'accord, en fait il y en a pas juste une... Oh. Ah ouais, mais c'est trop bien. Ah ouais. Oh, ça va avoir de la vie mec, c'est trop bien. Quel plaisir. Je te propose de le dégager celui-là. Lequel? Où t'as mis un drone sur l'extracteur de. Ouais, j'ai mis les drones mais on s'en fout. Ah mais ça va faire moche quand on aura tous les. Mais c'est mais non mais j'ai un peu le parc, tu sais. Et j'ai dit on s'en fout que j'ai mis des drones, je te l'enlève, y'a pas de problème. Ah OK. ouais, bon, on l'enlèvera ouais, OK. Mais... Si on commence à faire un peu les parcs et tout ça, ça va faire moche un gros extracteur. Mais c'est clair, mais t'as bien raison, là en vrai ça va être un beau parc. Ah, hein. Mais y'en a combien? Mais y'en a beaucoup trop, hein. On dirait des fleurs. Oh merde. Et coucou. On devrait, okay, on devrait les espacer. Bah faudrait t'en mettre un peu partout, ouais j'avoue. Tiens attends, je vais en enlever un. Hop. Genre on les met en triangle un peu. Ouais, ah moi je suis full en fait, je peux pas prendre. Tac. Ouais. Avec la flotte en plus à côté, c'est cool. Ici. Ouais, et puis c'est là que tu vas rajouter la fontaine aussi, tu vois.
Bon là, la fontaine là voilà. où elle est bien, mais on va racheter une fontaine ici aussi en vrai. Ouais. Mais je crois que ça demandait beaucoup de ressources. Ouais, Non. Ah non. Un fer, un spéréliage et un zéolite. Ok, my bad. Bah il reste plus qu'un zéolite d'ailleurs dans le coffre, je crois, ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Nouvelle fontaine, let's go. Allez. Ça régale. Oh non, j'ai un bug de texture. Ah ouais? Je la vois à nouveau toute violette celle-là. Une planète? Non, un truc de une ferme là. Voilà, c'est bon. Ouais, j'ai des petits bugs comme ça, c'est bizarre. Je l'avais déjà eu sur quelque chose, mais je sais plus. Ok. Oh, trop bien. C'est cool, hein? C'est trop cool. Non, mais là, on va être bien. Mais ça m'a vraiment remotivé, en fait. Le fait que t'aies compris les drones. Le fait qu'on ait eu le portail. Le fait qu'on sait qu'il y a des animaux qui arrivent. Et en fait, je me suis dit, en fait, la base, elle me casse les couilles. Et je sais que juste en changeant la base, bah voilà, bah je suis grave motivé de nouveau, là. Ah ouais, non, mais t'as bien fait, franchement. Ça régale. Alors moi, je vais m'occuper, vite fait, de voir si je peux pas créer de nouvelles espèces. Bah ouais, là. Grave. Parce que là, on a les poissons, et je peux découvrir des nouvelles espèces de grenouilles. Alors ça, c'est espèce de grenouille toi-même. Ah putain, il nous faut des... Tu te rappelles comment on fait pour avoir des phytoplanctons, tu sais? Oh là, qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'en vrai, il y a les plus phytoplanctons B, et les phytoplanctons C. Et il y avait une machine, attends, c'était quoi qui faisait ça à nouveau? Merde, je sais plus. Phytoplancton. Ah, mais c'est le. Ouais, c'est là derrière vu. Là. C'est derrière. Ah derrière. Bah là où t'es? Justement, j'y suis. Bah non. Mais vous plaisantez? Non, c'est que des larves et des. T'en rappelles, on les avait vus, on avait dit ah, mais c'est ça qu'il faut pour faire des phytoplanctons. Ah bon? Je sais plus ce que c'est. Mais oui! Ah bon? Ah voilà, c'est le récupérateur de vie aquatique. Collecte le phytoplancton et les œufs de poisson en fonction de son emplacement. Simplement. J'ai crafté ça moi, vas-y. D'accord. Eh bah tu sais quoi, ouais, du coup moi je vais un peu continuer à essayer de faire à la base quoi. Vas-y. Du coup si ça te va, ton étage en haut là. Me va. Ouais. Est-ce que tu m'autorises à le détruire? Ouais. Ouais, t'es sûr? Bah ouais. Vas-y, hein, il faut que tu sortes tout d'abord, mais vas-y ouais. Ouais bah oui. Je m'en fous. T'es sûr? Bah oui. Moi ça me fait de la peine des bouts hein. Mais arrêtez. Alors, arrêtez. Oh super alliage. Il m'en faut. Ah bah vas-y. On en a plus mec. Arrêtez. C'est horrible. Faut qu'on récupère tout mec. Affichage des poissons. Mais wesh. Mais arrêtez. Vas-y, tu m'aides ou pas à ramasser? Bah le problème c'est que du coup maintenant je suis full. Ok. Non mais dis non hein, c'est un peu. Oh putain. Oh putain, il y a des pommes de terre. Oh purée, des pommes de terre. Alors. Oh on a plus de... Oh c'est chiant ça, des granulés de bioplastique. Comment ça se fait? Champignons, silicium. Oh, des champignons, on en a encore? Ah bah j'en ai au pied moi perso mais... Ah y en a là ouais. Ah ouais. Ah, ça va les gars, je rigole en fait, hein, c'était une vanne. Hein. Ah, tu me dégoûtes. Bon, attends, je vais en replanter alors. Hein. Bon, il nous reste une seule graine de champignon, mais. Vas-y. Ah, mais du coup, t'as enlevé tout mon étage là-haut? Non, pas encore. Pas tout, tu vas-y. Tu veux aussi enlever le truc ou pas là? Bah ouais. Ah merde. Mais fais ce que t'as à faire. Oh, j'y suis pas encore. Non, parce que dedans, il y a des trucs de bouffe T2, tu sais, c'est pour ça. Mais oui, mais je vais les remettre, je vais les replacer. Ok. Bah bien sûr, attends, eh oh. T'as cru quoi là? Vas-y, je trouve plus ce que je veux. Il me manque un champignon. Ah. Oh, j'ai le seum. Eh ben, je te comprends. Non, bah tant pis, il y en aura qu'un pour l'instant. Oh, alors, vie aquatique. Donc ça se met, ça récupère les phytoplanctons et œufs en fonction de son emplacement, c'est-à-dire... Moi je vais aller en bas, hein, là où il y a de la flotte, et puis je verrai bien. Hein. Voilà. Eh c'est pas mal ça les amis. Qu'en pensez-vous là? Eh mais attends, du coup on a plus besoin de faire les trucs de nourriture là puisqu'on a le truc en haut là. Comment ça? Eh bah t'as ton... Ça crée automatiquement de la bouffe là en haut là, non? Bah non. Mais comment ça marche? Pas du tout. Bah si. L'autocrafteur de bouffe? Ouais. Bah ça prend les haricots du casier et ça prend le miel des ruches. Ah bah voilà. Du coup si t'enlèves les générateurs de... En fait il faudrait foutre
des drones qui prennent de la merde, le truc de bouffe T2 là, tu sais, qui fait pousser la bouffe, ouais. Et qui ramène dans un casier. Parce que du coup, tant que les haricots restent dans le truc de bouffe là, ben les. C'est pas crafté quoi. Qui... Tu vois ce que je veux dire? Oh, non, mais il faut que ce soit dans les casiers les haricots, tu veux dire? Ouais, bah ouais. Oui. Et pour l'instant, y a pas de drones qui font. Ok, je m'en occupe, je vais trouver comment faire, t'inquiète. Voilà. J'ai capté. Faut juste le foutre là ici, c'est ça. Et du coup, y a plus rien en fait, c'est la hesse. Mais ouais, Du coup, les casiers de bouffe, enfin de haricots, ouais. On peut pas les laisser trop loin, tu vois. Faut les mettre assez proche de l'autocrafter là-haut, dans le bureau. Ouais. Tu vois, parce que sinon ça capte plus. Ouais. Voilà. Mais en vrai, j'utilise les. Je vais faire les accélérateurs de croissance T2 en vrai, non? Oh, ferme. Bah, y'en a déjà là-haut. Bah regarde, c'est pour ici, ça. Il y en a 5, 6, 7, 8, là il y en a 9 ici. Hein. Bah je vais faire ça alors parce que comme j'ai en fait prends les 9 ici, tu vois. J'ai cassé les basiques, tu sais. Okay. Ça coûte cher à faire, je crois en plus. Bah je vais les chercher. Non, mais ça consomme en fait, donc voilà. Ouais, bah on a assez, t'inquiète. Yes. J'arrive. Oh ben je vais... Ah, ferme à poisson. Oui. Et il me faut du phytoplancton A. Ah bah nickel. Ah, génère des animaux et ça fait de l'oxygène, de la pression, des végétaux, des insectes et des animaux. Ça fait tout, mec. C'est trop bien. Allez. C'est ça, là, les T2 okay. Ouais, c'est ceux qui sont jaunes. D'accord. Ah ouais, t'as fait un truc... Ah ouais, trop bien, on peut faire le tour. Ah ouais, mec, t'as trop des bonnes idées. C'est vrai? Ouais. Attends, beaucoup, là. Même moi, je me suis perdu, là. C'est vrai qu'on va vite se perdre, par contre, si tu commences à faire... Ah bah, je change tout, là, ça on y est. Pas que tu fous des cloisons, genre ici une cloison et ici une cloison, non? Oui, on peut faire maintenant des cloisons, non mais t'as raison. Parce que sinon, voilà quoi. Bien sûr, non mais tout va changer, t'inquiète, tout va bouger. Je vais aller voir à l'ancienne base s'il nous reste des graines de champignons. Bah... Non, le téléport, tu l'as enlevé. Eh ben, je l'ai déplacé, mon gars. À toi de trouver. Il est où? Toi, t'es où, toi? Ok, je te suis. Bah, dans le bureau, logiquement. Ok, très bonne logique. Très bonne logique. Bien vu. Ah. Oh, ça fait stylé ça, vraiment c'est le truc central, tu vois. Voilà, c'est top. Ah, j'aime beaucoup. Mais le bon côté des choses c'est qu'on s'installe pas là et donc on dénature pas. Mais là on aurait. Ouais, c'est ça. Ah, il y a une autre cascade là-bas au fond, tu l'as vu? Bah. What the fuck? On y était pas déjà? Bah, je sais pas, je suis pas sûr si. Pour moi on y était. Attends. Déjà. Il y a des petits lacs et tout là. Oh. Mec, il y a des cascades partout! C'est trop beau. Mais ah, on oui, non, mais là. Mais... Ah ouais. Mais c'est trop mais beau. Attends, y'a un océan. Mais quoi? Mais quoi? Y'a plus le sable. Mais wesh. Mais oui, bah oui, bah oui. Bah oui, avant y'avait un désert de... Mais... Je vais aller voir. Mais je suis choqué. C'est magnifique. C'est trop beau, mec. C'est magnifique. On va voir un lémurien, on va rien comprendre. Ah. Mais attends, mais oui, il y a le... Bah en fait, c'était juste la suite logique des choses. Hein. Oh là là. Space Magnet. Oh non, on vient d'avoir un 100 000 Tera Token. Au total, ouais. Oh, c'est trop beau. Oh. Non mais là, il faut qu'on se fasse un yacht. Base. On ouais. Se casse, on habite sur le yacht. C'est clair. Bon bah ici, c'est sûr, il y a un totem, bah voilà. Mais on l'a déjà eu, le gardien, on l'a déjà pris, je crois. Ouais. Ouais. En fait, on est venu ici, et on a coupé là à droite sans passer à gauche là-bas. Non, ah non mais non, on est vrai, venu quand y avait pas encore l'eau. Mais oui, il y avait pas l'eau, c'est tout. Putain, mais c'est ouf, on est vraiment trop. On redécouvre la map. Mais t'as vu, mec, c'est ouf, à chaque fois qu'on joue, on découvre. Mais ça donne juste envie de s'installer là, putain, ça m'énerve. Ouais, c'est clair, c'est tellement plus joli. Oh là là. On a plus de circuit imprimé, mais si. Non, non, c'est dans les deux coffres, c'est vide. Je vais en prendre le dernier là. Ah bon? Ouais. Comme quoi, hein. Et en vrai, pourquoi on a fait ça là? Il y a une grande salle, elle est vide, on avait mis le manipulateur d'ADN, le recycleur. Il y a encore plein de trucs qu'on pourra mettre. Hein. On va débloquer plein de trucs dans pas longtemps là. Hein. Ouais, mais du coup, moi j'ai fait une grande salle aussi là. Ouais, mais t'inquiète, mec, il y aura les aquariums T2 qui sont hyper grands. C'est la taille d'un dôme qu'on a là. Mais tu rigoles. En aquarium. Ah, si. Ah, oh, ouais. Ça va être d'accord. Un aquarium géant en fait. Ok. Ok. Ouais, tu vois, il y a les extracteurs génétiques, synthétiseurs génétiques. Tout ça on pourra foutre dans la pièce avec les trucs qu'on a déjà là. Mm-hmm. T'inquiète. Moi ça m'énerve d'avoir le... Mais bon c'est chiant à déplacer maintenant. Et donc on va pas le déplacer. Mais ça me fait chier. Bah là cette salle là, le biolab, il me fait chier d'être à l'opposé. Voilà. Ah bah en vrai,
On peut. On enlève le biolab et on met un grand module d'habitation, tu vois. Mais c'est ça, la c'est... même taille, ouais. Mais c'est un 4, quoi. Mais ça, c'est pas le problème, mais c'est genre les grands coffres à déplacer, vas-y, flemme. C'est bon. Ah, les deux grands coffres, là? Ah ouais, flemme, c'est bon. Bah, il y a des drones pour ça, hein. Ouais, c'est bon, allez, stop. Non, non, attends. Non, non, mais c'est bien. Et au pire, on laisse ce biolab, on en fait un deuxième, hein. En vrai, parce que c'est joli comme module, tu vois. Je suis bien d'accord, mais ça n'empêche que les coffres sont là quand même, donc on se déplace quand même là, quoi. Ça coûte que dalle, hein, le biolab. Oui. On en fait un deuxième près des gros coffres, c'est ici, pas le tu problème. Vois. Ah, ça y est, je sais où je vais faire l'aquarium maintenant. On a un producteur de soie ici qui est full depuis. Ok. De moi? De toi, ouais. Ça produit des nickels. C'est trop rigolo. Ah. Faut de ma gueule, là. Pas du tout, gros. Faut de ma gueule. Jamais. Au grand jamais. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule, hein? Les, toi, tu t'y connais, toi, en animaux, parce que t'es trop fort. Les poissons, ils aiment quoi comme couleur de lumière? Du bleu, il me semble. Ouais, ok. Ouais, ou du rouge. Non, attends, c'est du... Ah, je sais plus. Ça m'a l'air aléatoire, ce que tu me racontes, là. Hein. Non, 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 non. Ok. Non, parce qu'il faut que les poissons se sentent bien, hein. Tu penses que ça joue? Pas du tout. Du bleu foncé, du bleu clair? Ah ok, d'accord, en fait ils aiment un peu toutes les couleurs. Ah, le, bon. L'orange, le jaune, le rouge, le vert, le bleu et le blanc. Et ben on va faire un mélange. Et le blanc sur la les côtés. La couleur préférée des poissons. Ah, le turquoise. Ah. Ainsi que certaines teintes de violet. Voilà, c'est les deux les plus... D'accord. D'accord. Donc mets du turquoise. Le violet, c'est turquoise, hein, c'est ça? Turquoise ou... Pardon? Quoi? Le turquoise, c'est le mauve, là. Ah non, c'est le sérieux, bleu là? C'est le bleu. Merci, merci. C'est un bleu, le turquoise. Gna 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 caca. Bah ouais, non, mais attends. Retourne à l'école, hein. Eh, hey, ah, déjà. Ah, espèce de... Eh, espèce de nulose, va. Ah, c'est sympa, là, avec le jaune, ici, là. Oh, purée, j'ai fait un mélange bleu-turquoise-jaune. Oh purée de pommes de terre. Oh purée. Oh purée. Moi j'ai fait des ruches. Ok. Regarde maman, il pleut blanc. Ah oui. Oh bah y'avait plus de courant. Bah. Bah qu'est-ce que tu fais là, t'as pété les plombs. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est ouais, vrai. Je tiens à le dire. Ouais. Ça me flatte, merci beaucoup. J'aime beaucoup, hein. Oh mais tu casses les couilles. Mais t'avais pas dit t'avais trouvé un sport de champignons là? Bah si, là, il est là. Mais tu dis là, là, mais... Mais là? Mais je suis là. Quoi? Mais en fait, on est trop cons, t'as vu qu'on a une ferme... On a une ferme ici, là? Deux. Devant notre chambre? Devant notre chambre... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais y'a une ferme ici, y'a plein de champignons, là. Bah oui. J'en ai six sur moi. Oh non, oh, là, là, les... là, là, oh non, mais là, c'est... Oh là là, là, là. Oh, j'ai pépé. Oh, les guignols. En fait, pour ça, il faut faire des fermes en plein air. Hein. Ouais. Parce que ça marche mieux que les incubateurs. Enfin, que les trucs de croissance. Ouais. Ici, ça dégage et je mets ça. Voilà. Regarde, voilà. Et ça, et je mets ici. C'est les mêmes. Alors attends, c'est pas ceux-là que je veux mettre, c'est ceux-là. Voilà. Mais t'es où, toi, en fait? Je suis là. Tu me vois pas? Tu me vois pas? C'est pour ça que depuis avant je te vois pas et je me trouve solo dans la base. Non, tu rigoles. T'es invisible, je te jure. Gros, je suis juste devant toi. T'es invisible. Tu vois ma lumière? Je te dis, c'est bizarre, ça fait une demi-heure, je te vois plus. Je vois plus rien. Ah. Moi, je suis tout seul. Hein. Ah ouais? Ah, je trouvais ça bizarre, je te voyais plus. Tu me disais, je fais ça, mais je me disais, mais il est où? Je vais sortir, il est en train de faire un truc, mais non. Bon, attends, je quitte. En fait, je construis une tour Eiffel là. Non mais j'ai cru parce que depuis avant je te vois plus. Pour moi t'étais en train de faire un truc dehors, tu vois. Oh merde. Je mets les poissons, voilà. Et en fait alors là dis-moi que t'es devant moi. Non, t'es pas devant moi. Je suis devant toi là, tu me vois pas? Non, vraiment? Non. Ah putain, arrête. J'arrive. Ouais, mais c'est que j'ai encore 5 poissons sur moi là. Tu me vois? Il y a pas un troisième aquarium. Tu me vois ou pas? Mais t'es où? Ouais, là tu fais genre. La vie d'homme! Eh mec, je sais pas comment te dire, mais okay. Je vois pas, t'es invisible. Je te crois, bah je suis invisible. Mais pourtant tu fais que de me regarder des fois, c'est marrant. Non, mais je tourne au hasard quoi. Ok. Ok, F8. Bug. Je vois pas mon ami. Je ne vois pas mon ami. Il est devenu. Invisible!
Je trouve ça inadmissible. Il est devenu invisible. Tac tac tac. Je me sens seul. Bug à... Ah ouais, j'avoue. Je me sens si seul. Le mec en détresse. Sur cette planète. Excellent. Avec un smiley sad. Ouais, ça les fera s'ouvrir. C'est bon ça. Ah là, feedback, thank you. Par contre, du coup, t'es invisible. Bon, bah, écoute, t'es invisible. Hein. Mais attends, je quitte. Je sauvegarde déjà, parce que ce serait dommage. Et je quitte. Vas-y. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Et hop, je te invite. Hein. Paf. Vas-y. Et là, normalement, ça va être magique. Non. Attends, t'es à l'aquarium ? Non, j'arrive. Ah ok. Non, parce que là je me suis dit c'est toi qui es invisible. Ah mon Nico, il est de retour. Non, je rigole, t'es ouf. Non. T'es où ? Non. Attends, je t'attends, vas-y, je t'attends. T'es où ? Oui, allez. Il y a la collision, tu me vois. Mec, je te jure. Mais avant... je te vois. Bah oui, tu me vois. Parce qu'en fait avant tu me passais à travers et là je vois qu'il y a la collision. Ah ok, ouais. Mais c'est bizarre, putain. Ah, c'est chelou. Du coup, aquarium, il y en avait 3, non ? Il est où le 3ème ? Bah, y a plus de 3ème maintenant. Bah, non, mais parce que j'ai encore trop des beaux poissons. Bah, oui, mais m'engueule pas, Bébou. Mais il est ici, là, regarde. Mais non. Il y a de la place, là. Mais là, au milieu. Mais ouais. Ou là, à gauche et à droite, tu vois ? Non. Mais si, on peut encore passer. Non. Oh, les arbres bleus, regarde. C'est des sapins, en fait. Ah, ouais ? Ah, ils sont jolis. Attends. Là, c'est des vrais arbres. Viens en bas. J'arrive. Attends-moi, on dirait des arbres qui sont chez nous, tu sais. Oui, dans nos régions. Ouais, oh, ils c'est sont excellent. Bleus, mais... J'arrive. Mais ils sont jolis. On dirait qu'ils sont pleins de neige. Comparé au rouge là qui ressemble à des champignons qui sont sur la tub. Là, c'est oh, joli, tu vois. Ça fait du bien. C'est trop stylé. Il y en a ici. En fait, mélanger, c'est beau, mélanger avec les rouges et les bleus et tout. T'as mis des fermes à poissons dans l'eau. Oui. Mais t'as pas mis de poissons dedans. Mais non, parce que ça. Regarde, génère des animaux. Mais t'as rien compris, toi. Mais putain, il est con. Oh là là. Ah, c'est genre tu les mets dedans et juste ça les fait popper et puis voilà, c'est tout. Oui, et ça fait monter le pourcentage d'animaux. Mais je croyais que ça me ramenait, genre tu le mets et puis ça. Non. Ils se font capturer, tu vois, et du coup. Ah, bah justement, cool. T'as pas besoin d'aquarium. Viens, mets-les dedans. Et justement, mets-les dedans les poissons, ça va être super. T'es vraiment le mec le plus intelligent qui a. C'est vrai ? C'est sincère ? C'est waouh. Oui. Ah, bah non, ça en vrai, c'est intelligent parce que j'ai pas pensé, moi, tu vois. Bah, j'arrive. Je me disais bien parce que je voyais des trucs flotter. Ça fait une demi-heure que t'es content à dire que t'as mis des trucs de poisson là. Mais en fait ça sert à rien. Ich komm. Komm. Lec mir morsch. Ah, na. Ah, attends, elle est où la ferme? Elle est là? Non, ça c'est le... Là-bas. Ouais, je suis là. Par contre, y'a que un slot, c'est nul. Oui. Attention. Bam. Et bam. Waouh. C'est nul, on les voit même pas. On les voit juste quand on s'approche, tu t'éloignes, tu les vois plus. Ah si, ça va. J'y raconte lui, mais il est complètement con. Et donc là, ça génère plus, c'est ça ? Ah bah ouais. Ça produit beaucoup plus. Et si j'enlève ? Ah oui, on passe de 609 à... Et arrête, c'est hein. C'est pareil. Bah non. 609, j'enlève, 609. Mais pas du tout. Ah non, c'est pas que... Ah d'accord, non. J'avais le viseur dessus, Oh là là, lec bien morche. Alors attends, j'ai ceux-là. Ouais. J'ai ceux-là. Bon, ceux-là, c'est ce qu'il y a dans l'aquarium. Ils sont un peu marrons. Ouais, ils sont marrants. Plus. J'ai ceux-là qui sont que à 250%. Oh, ils sont trop beaux. 500. Ils sont trop beaux. Ils sont beaux. Et j'ai ceux-là. Ça, il y a dans l'aquarium, ouais. Ouais. Mais non, bah, on laisse les dorés. Hein, parce que doré, c'est joli. Ouais. C'est la thune, c'est l'or, tu vois. C'est... Ouais. C'est trop stylé. Okay. Est-ce que mais tu vois, aquarium, c'est proche de nous, c'est quand même mieux, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Mais on est là pour. Mais on va attendre l'aquarium T2 en vrai. On terraforme quand même, mais bien sûr. Sera attends. Un putain de dôme, ça va être. Je vais faire un report. Ouais. Et je vais mettre pourquoi ce sont les poissons. Il y aura deux mecs chiants dans le jeu, ça va être nous deux quoi. Pourquoi ce sont les poissons les plus chier jolis deux, là qui sont les moins comment on dit efficaces, ouais. Efficaces. En termes de pourcentage. Ouais, c'est vrai, hein. Mais je pense que c'est fait exprès. Voilà. J'ai mis l'aquarium. Ah, bah voilà. J'adore ces cris, bordel, ça m'excite. Et là, on va mettre. Alors, ceux qui sont super beaux mais qui produisent rien.
Et ceux qui produisent, qui sont moches mais qui produisent beaucoup. Comme ça, on a les deux. Tu parles chinois toi. Attention, hein. Attention, et boum boum. Ah ouais. Et tout ça devant le drapeau français, hein. Si ça c'est pas beau. Oh putain, j'avais pas vu. T'avais pas vu, sérieux. Oh là là. Prosterne-toi, on va mettre même un canapé. On va mettre un tapis devant pour se mettre à genoux. Oh waouh. Y'a des tapis? Non, y'a pas de tapis. Oh! Quoi? Y'a des tapis? Oh, attends, attends, je vais faire juste un truc avant. Ouais. Que je voulais faire, mais on avait pas ce qu'il fallait. Ouais. Oh, quartz vert. Ok, on en a plein. Quartz 3, 4, vert. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. C'est un peu long à faire, mais. Ah, attention! Est-ce que t'es prêt? Non, je suis pas là. Eh, hey, y'a plus de cobalt dans les coffres! Y'a plus de cobalt! Cobalt, c'est quoi nouveau le cobalt? C'est le truc bleu. Comment ça se fait? Ouais, bah j'ai tout usé avec les ftêtes. Oh putain! Bon, bref. Bah, faudra des extracteurs avec des drones qui s'occupent de ça, quoi. Ouais. Attention. Oh! Oh! Et là, on se fout à poil. Et toc! Oh! C'est toi et moi! Et du coup, moi je suis comment en fait? Tu me vois comment? Comme j'ai plus ma combi? Bah, comme moi. Ah, bah, c'est celle de base. Bah, okay. Oui! Ça me paraît cohérent. Nul. Par contre, c'est trop stylé. Voilà! Ouais. C'est stylé, hein? C'est vraiment nous deux, quoi. Ça fait un peu de vie dans ce. Ouais, on est quatre maintenant, regarde. Ah, et du coup, il me reste un œuf de poisson. Oui. Et celui-là, tu sais ce qu'on voit. Ah non, il me reste deux. Bah, tu sais quoi, on va les foutre les deux là? Dans nos fesses! On va les foutre. Uh-huh. Ouais. Les trophées. Oh, je suis mort. Oh, c'est excellent, ouais. Et vive la France. Pays de pêcheurs. Oh, c'est bon, ça. Et on avait fait un lit personnalisé ou pas? Non. Putain, faudrait qu'on le fasse, ça aussi. Non, mais comme on casse le lit à chaque fois. Parce que ça peut, on peut changer la couleur. Comme ça, on peut avoir des couettes roses et des couettes bleues, vert. Superbe. Et moi, quand tu le tâches, bah hop, on peut changer de drap et hop, ça se veut plus. Allez. Mais t'as vu, ça change, hein. La dernière fois, l'autre soir, là, j'étais lassé. Elle est plate, mais en vrai, c'est sympa. Non, bah, après. Non, mais non, c'est pas parce que y a les dômes qui font de la hauteur, y a la chambre, le bureau qui font de la hauteur, donc ça va, en vrai, ça va. C'est quand même mieux que tout soit sur un étage. Moi, je préfère qu'elle soit plate et qu'elle a un bon fond et un beau cœur. Pourquoi tu mens comme ça? Quoi? Pourquoi tu mens? Mais je mens pas. Si. C'est qui aime les boobs à tout prix toi, là? Toi tu veux que... Ah mais je parlais pas de ça, moi je parlais de la base. Toi, tu préfères largement quand c'est bombé, quand il y a des formes, quand voilà, quand c'est vraiment D'accord. Ah j'avoue les gros têtes là. Catastrophe. Qui fait cette vidéo, t'aimes colo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bon.